Chers amis, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Astro Center TV, comme chaque soir. Il est 21h30, très précisément. Je m'appelle Nicolas Gigliotti. Je suis avec vous jusque 23h pour le plus grand plaisir, vraiment. Je suis très heureux. C'est la deuxième soirée que nous passons ensemble. Et ce soir encore, vous allez pouvoir poser toutes vos questions et même sur les rêves, hein, comme on a pu le voir hier. Plusieurs personnes nous ont téléphoné pour parler d'un rêve un peu étrange qu'elles avaient fait. Et j'ai essayé de décortiquer, puisque je suis un petit peu aussi spécialiste des rêves, tout en étant médium et en m'appuyant de mon oracle de la triade pour répondre à toutes vos questions. Pour me joindre, pour arriver sur le plateau, rien de plus simple, 3255, touche étoile. Et pour les amis belges, c'est le 0900 88 126. Et je vous signale que nous aurons une surprise en fin d'émission, donc il faut vraiment que vous restiez avec nous. Composez dès maintenant le 3255, touche étoile, et je pense qu'on va prendre le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nicolas. Bonsoir, quel est votre prénom ? Chantal. Chantal. Je suis née le 22 mars 1962. 22 mars 1962. 1962. Chantal. Alors, dites-moi Chantal, que désirez-vous savoir ? Alors, je voudrais savoir ce que vous voyez sur mon avenir sentimental, notamment avec Patrick. Patrick. Né le 20 janvier 1963. 20 janvier 1963. Patrick, ça me rappelle une chanson de Sheila, Patrick mon chéri. Ah oui, j'aime bien moi les chansons des années 70. Hein. Moi aussi. Patrick mon chéri, oui, je m'en souviens très bien de cette chanson. Alors, on va regarder pour vous deux, Sheila, Patrick. Sheila, Patrick, voilà, maintenant je ne sais plus ce que je dis, Chantal, Patrick. Alors, moi la première chose que je ressens, il y a quand même un éloignement entre vous pour le moment. Oui, on se voit de temps en temps, mais il n'est pas libre. Ben, écoutez, j'allais vous le dire, regardez. Avant que je le dise, les cartes parlent d'elles-mêmes. Le papyrus et la fusion, ça veut dire qu'il y a comme un contrat, il y a comme une signature à faire pour pouvoir continuer cette fusion, en fait. Donc, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Donc, on voit qu'effectivement, il n'est pas libre, Patrick, mais... Non, mais il n'est pas marié, hein. Oui, mais même s'il n'est pas marié, on dirait qu'il est lié par quelque chose. Donc, c'est peut-être cette femme. Ils ont peut-être des biens en commun, de l'argent en commun, quelque chose en commun. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est là, qui le bloque en tout cas pour le moment. Mais ce n'est pas quelque chose qui va durer indéfiniment. Hein, parce que moi, j'ai un bon ressenti tout de même pour vous. On le voit bien dans les cartes que quelque part, vous avez... des protections, vous avez des périodes de doute, certes, mais vous avez vraiment de nouveaux aspects pour dire que cette année 2014 va être meilleure. J'ai un chiffre 2 pour vous, donc je dirais qu'à partir du mois de février, donc de 2014, vous aurez vraiment la possibilité de vous sentir bien avec lui. Donc, mais ce que je voulais savoir, Nicolas, c'est que si éventuellement il y aurait une construction, quoi. Mais moi, je vois qu'il va se séparer de cette personne. Je vois, évidemment, on est un peu plus loin dans le tirage, donc dans le temps. On est, je vous dis, février pour vraiment que les choses commencent à prendre une bonne ampleur. Et pour la stabilité, on compte à peu près avril-mai, hein, parce que moi, j'ai une clé de réussite, une prospérité. Donc, on est en train, il est en train de créer, si vous voulez, sa vie future, une nouvelle naissance. La carte de la mort qui est là, qui n'est bien sûr pas la mort physique d'une personne, mais pour dire qu'il fait la fin des mauvaises choses, c'est bien indiqué dans les cartes, une renaissance après une période de temps, donc un nouvel amour qui est pour le moment peut-être entre guillemets caché, mais qui sera au grand jour, donc d'ici quelques temps. En tout cas, février est positif. Par là, Nicolas. Que pour moi, ça va être une relation stable. Donc, février, vraiment, les choses s'ouvrent de mieux en mieux. Et alors, avril-mai, vraiment, vous êtes ensemble à 100%. Donc, pardon, cette femme n'existera plus. Elle sera hors-jeu. D'accord. Je peux me permettre de vous poser une toute petite question, Nicolas, parce que l'autre jour, vous m'avez franchement épaté. Dites-moi vite. Moi, mon papa est décédé en 1998. Mmh. Allô ? Oui, je vous entends. Moi, je vous entends. Et je voudrais savoir si c'est lui qui me protège de là-haut. Pourriez-vous me papa. Le dire si je vous dis son prénom ? Oui, je vais vite regarder, parce que normalement, c'est une question. Hein. Je sais, Nicolas, je sais. Voilà. Dites-moi vite son prénom. Fernand.
Il est né le 2 juillet 1914. En fait, vous sentez une présence à côté de vous. Je le sens me protéger, ou lui, oui, ou ma maman. Alors, oui, effectivement. Moi, j'ai vraiment le ressenti qu'il y a une personne à côté de vous, donc une âme qui est là à côté de vous. Et je vois vraiment une personne avec une... c'était quelqu'un qui avait une certaine prestance. Oui. Quelqu'un qui se tenait bien. Quelqu'un, oui, qui avait beaucoup de bagou, qui savait parler, mais bien parler. Oui. Quelqu'un qui ne parlait pas en faisant des fautes. Et donc, je vois cette personne assez imposante à côté de vous. J'en ai des frissons. Donc, vraiment, il est là aussi à côté de moi pour le moment. Donc, oui, moi, je peux confirmer que Fernand est là à côté de vous. Cette personne avec ce charisme, vraiment quelqu'un de bien qui est là à côté, oui, de vous imposant, et qui, oui, vous protège, mm-hmm, et un peu aussi, je vais dire, sec. Donc, voilà, il faut filer droit avec lui, hein. Donc, je pense sincèrement qu'il vous protège et que dans la vie de tous les jours, eh bien, les petites choses qui ont pu se passer, un peu négatives, il est là un petit peu pour remettre tout en piste. Donc, soyez confiante par rapport à votre papa et aussi par rapport à Patrick. De toute façon, tout suit son cours. Voilà pour vous, ma chère Chantal. Pardon ? Que de bonnes nouvelles, Nicolas. Écoutez, moi, c'est sans complaisance. Moi, je vous dis ce que je ressens. Alors, avant de se quitter, Chantal, on va jouer à la carte mystère. Si vous pouviez me donner un chiffre entre 1 et 22, et donc, si vous devinez, vous gagnez 10 minutes de consultation gratuite. Je vais donner le 14. Le 14. Alors, je tire la première carte de la soirée. Malheureusement, ce n'est pas le 14. Je vous souhaite une belle soirée. Moi de et puis même, beaucoup, Nicolas, de bonheur. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Nicolas. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, vous êtes... il est 21h38 très exactement. Nous sommes en direct sur Astro Center TV. Je m'appelle Nicolas Gigliotti. Je suis médium, tarologue et également, je fais l'interprétation des rêves. Alors, je vais rappeler les différents numéros de téléphone pour entrer en contact avec moi ce soir. C'est le 3255, touche étoile, depuis la France. Nos amis belges également, que je salue, qui sont très nombreux à nous regarder via notre site internet www.astrocenter.tv. C'est sur le 0900 88 126. Le numéro apparaît en ce moment sur votre écran. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi-même, la semaine prochaine par exemple, ou avec un de mes collègues disponible en ce moment, vous composez le 01 75 75 10 10. Et nous prenons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô ? Bonsoir. Oui, bonsoir, Nicolas. Quel est votre prénom ? C'est Annick. Annick. Le 6 3 47. 6 3 en 47. 7. Et que désirez-vous savoir, ma chère Annick ? Oui, je voudrais savoir, parce que nous voulons vendre notre voiture qui a 2 ans. Oui. Si on va arriver à la vendre assez rapidement. En tous les cas, on ne vous en propose pas un bon prix. Un bon prix ? Non, on ne vous en propose pas un bon prix. C'est pour ça que vous... On ne vous en propose pas un bon prix. Je n'ai pas l'impression que là où vous l'avez mise en vente, ou alors si vous avez mis une annonce, on essaye de marchander sur le prix. Eh ben, c'est-à-dire, mon fils a mis une annonce, mais il va en remettre une deuxième parce qu'il, oui, avait demandé trop cher. Voilà, ben, c'est ce que je vous dis. Pour moi, on a demandé trop cher. Donc, on veut, enfin, les personnes qui seraient éventuellement intéressées par votre voiture, enfin, la voiture de votre fils, eh bien, voudraient diminuer le prix. Donc, le prix va être diminué un petit peu. Ce n'est pas énorme, hein, quand même. C'est vrai qu'une voiture, quand on dit quand elle sort du garage, elle a déjà perdu quasi 30% de sa valeur. Ça, c'est sûr et certain. Ben oui, bon, elle ce a n'est deux pas. Ans et... Une voiture, c'est des fonds perdus, hein. Ce n'est pas comme une maison. Oui, mais oui, moi, je vois effectivement qu'on va diminuer le prix, ça c'est sûr. Et alors, en diminuant le prix, moi, je vois que vous avez vraiment des aspects alors positifs à ce moment-là. Donc, quelques épreuves difficiles parce que, bon, voilà, il n'est pas, en fait, votre fils n'est pas tout à fait content et il aurait voulu plus, mais bon, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Moi, je vois qu'il a des aspects positifs, en tout cas pour vendre sa voiture. Les richesses sont tout de même là. Donc, la vendre, il va la vendre. Moi, je dirais que d'ici le début de l'année prochaine, la transaction est faite. Hein. Donc, ah oui, pas avant. Oh, je donne maximum. À mon avis, je tire un petit peu sur la corde, mais on n'est pas loin, quoi. C'est peut-être le 20 oui, décembre. Oui, c'est pour pouvoir en acheter une autre, parce que c'est une voiture que mon fils nous a achetée. Oui. Et donc, lui, il est dans la région parisienne. Est-ce qu'il serait peut-être mieux qu'il la vende dans la région parisienne ?
Moi, je pense qu'il va la vendre dans la région parisienne. Hein. Je Oui, pense parce qu'il va que la nous, on est en vendre. Bretagne, c'est pas évident, peut-être. Non, je pense que moi, il va la. D'après ce que je ressens, il va la vendre près de chez lui. Un acheteur, on met une annonce sur Internet, vous savez comment ça va, Oui. et donc un acheteur va être intéressé, peut-être même plusieurs acheteurs, mais celui qui va donner le meilleur prix, ce sera un petit peu moins, bien sûr, que le prix de départ qu'il avait pensé au début, mais c'est intéressant. Donc, ça C'est reste un prix intéressant. intéressant. Donc soyez confiante au niveau de cette voiture. Alors, ma chère Annick, avant de se quitter, je vais vous proposer de jouer avec moi à la carte mystère. Donc vous devinez la carte qui est devant moi, un chiffre entre 1 et 22 du tarot de Le 10, Marseille. le Alors, 19. je revérifie. Le 19, vous m'avez dit. Oui. Non, malheureusement, ce n'est pas le 19. Ce n'est pas le 19. Ah bah tant Mais vous pis. pouvez retenter votre chance. C'est calme ce soir. D'accord. Ben Extrêmement écoutez, je vous. calme. Oui, donc vous dites au début janvier. Pour maximum début janvier, elle sera vendue. Voilà, ma D'accord. chère Annick. Belle soirée à D'accord. Ben, vous et beaucoup de bonheur pour vous. Au merci revoir. beaucoup, Nicolas. Au revoir. Au revoir, merci. Alors vous aussi, comme Chantal, comme Annick, vous pouvez arriver sur le plateau d'Astro Center TV. C'est très simple, vous composez dès maintenant le 3255. En régie, notre ami Vianney nous a signalé qu'il n'y avait pas d'attente ce soir, pas d'appel là pour l'instant. Donc, dès que vous composez le numéro directement, vous arrivez sur le plateau. Donc, 3255, touche étoile. Nos amis belges, 0900 88 126. Et j'espère que quelqu'un va arriver d'ici quelques secondes sur le plateau. Allô, allô, avons-nous quelqu'un? Oui, Allô? bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Olivier. Olivier. Et votre date de naissance? Oui, le 12 octobre 1975. 12 octobre en 75. Et que désirez-vous Alors, savoir? Je ma vais y question arriver, sera mon cher d'ordre Olivier. professionnel. J'aimerais savoir si l'année prochaine, j'allais obtenir ma mutation professionnelle sur Toulouse. Alors, si vous allez avoir une mutation, vous avez déjà commencé à tâter un peu le terrain par rapport à votre direction? Oui, ça fait depuis. J'effectue les démarches depuis 2010. Ça commence à se décanter, ça commence à se débloquer. Hein. Donc, on commence à écouter votre message. D'accord. Parce qu'au départ, on ne l'a pas trop entendu, j'ai envie de Non. dire. Hein. Ça n'a pas été toujours évident. Moi, je vois de nouvelles initiations après des moments de pénitence. Donc, effectivement, moi, je dirais pour la rentrée 2014, je ne dis pas la rentrée de janvier, j'ai un chiffre 9, hein, rentrée de septembre 2014, Oui. pour moi, vous pourriez être, après avoir justement traverser quelques épreuves difficiles, vous pourriez être dans ce nouveau travail, enfin dans ce nouveau travail, plutôt dans cette mutation, puisque le D'accord. travail va quand même ressembler à ce que vous faites maintenant, mais il y a des aspects très positifs pour que vous soyez mis en avant justement, et une belle élévation pour vous des racines qui sont là. Donc, si c'est Toulouse, là où vous désirez aller, vous allez aller à Toulouse, et pour moi, vous allez vous en sortir bien, parce que j'ai de bons aspects. D'accord. Donc, il faut que vous soyez confiant. Moi, je pense que c'est vrai que vous avez dû patienter depuis un certain temps. Oui, depuis 2010, Voilà, oui. 2010, bon, il y aura 4 ans, puisque bon, on Oui. sera en septembre 2014, mais quelque part, on est dans des bons aspects. Donc, j'ai envie de dire, vous arrivez au but que vous vous êtes fixé. Donc, encore un petit peu de patience, mon cher Olivier. D'accord. Voilà pour vous. Alors, je vais vous proposer aussi, comme à tous nos téléspectateurs qui passent sur l'antenne ce soir, de me donner un chiffre entre 1 et 22 du tarot de Marseille. La carte est devant moi. Je vous écoute. D'accord, le 3. Alors, je vérifie. Écoutez, vous êtes très chanceux, Olivier. Vous avez gagné. C'est bien le 3. Donc, Ah, je vais vous demander de ne pas raccrocher. Je vais d'accord. rappeler d'ailleurs à nos téléspectateurs le principe de cette carte. Alors, en fait, quand un téléspectateur gagne la consultation de 10 minutes gratuites, il est rappelé dans les à peu près 15 jours. Mais D'accord. si maintenant, quand on vous rappelle, on ne laisse pas de message sur votre répondeur par souci de confidentialité, et donc si vous ne répondez pas, ne vous inquiétez pas, on vous rappelle de toute façon, on vous rappellera jusqu'au moment où on tombera sur vous, mais on ne laissera pas de message, encore une fois, je le répète, pour raison de confidentialité. Voilà. Alors, on va marquer une courte pause. Moi, je vais prendre hors antenne les coordonnées de notre ami Olivier. Et vous, chers téléspectateurs, comme Olivier raccrochera juste après, il vous laissera la place pour passer sur l'antenne au 3255 touche étoile 0988 126. À tout de suite. Un problème en amour est-il ou est-elle l'élu de votre cœur?
Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, votre émission 100% voyance. Comme chaque soir, je suis avec vous pour vous proposer ces consultations de voyance. Et vous le voyez, on peut gagner aussi des consultations de voyance, comme vient de le faire notre ami Olivier. Donc, j'ai rappelé le principe de cette carte. En fait, quand vous gagnez la consultation, il y a à peu près une moyenne de 10 à 15 jours pour que vous soyez rappelé, parce que bon, il y a beaucoup de monde. Et si on n'arrive pas à vous avoir, c'est vrai qu'on ne laisse pas de message sur votre répondeur par souci, évidemment, de confidentialité, mais on réessaye jusqu'au moment où on tombe sur vous, donc on rappelle le lendemain ou le surlendemain. N'ayez crainte. Donc, pour les personnes qui nous regardent, qui ont gagné la consultation, qui n'ont pas encore été rappelées, patientez encore un petit peu, ça arrive. Voilà, c'est dit. On prend tout de suite quelqu'un en ligne au 3255. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Sylvie. Sylvie. Comme Sylvie Vartan. Oui, c'est ça. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 4 janvier 1970. 4 janvier en 70. Et que désirez-vous savoir ? Je voudrais savoir dans le domaine sentimental. Alors, par rapport à quelqu'un en particulier ? Non. Il n'y a personne ? Non, pas du tout. Vous n'avez pas trouvé votre Johnny encore ? J'en ai perdu un. Alors, je vais regarder. C'est vrai que c'est un petit peu le désert pour le moment. Mmh. Et il y a un petit coup de déprime quand même, Sylvie. J'ai envie de dire. Oui. Ah oui, ben ça oui, hein, mais oui. Je le ressens parce que moi, comme je le dis souvent, je suis comme une éponge. Donc, c'est au fond de moi, j'ai ce ressenti de votre personne vous dégagez quelque chose d'un petit peu négatif pour le moment. Mais je pense que c'est ces deux dernières années qui n'ont pas été extraordinaires. Mais moi, je vois qu'après, eh bien, une traversée du désert, on a de très bons aspects pour pouvoir justement aller de l'avant. On a la carte Nadir avec le point blanc, donc pour dire on a vraiment cette traversée du tunnel noir qui est là, et il y a quelqu'un qui arrive en fraternité. Alors je m'explique, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie comme un ami au départ. Oui. Alors, on va éclaircir un peu ce sujet, c'est vrai. Moi je vois une personne qui a marqué pour vous, mais qui n'est plus là. Donc, il faut faire abstraction du passé et ne pas, je vais dire, rester sur un échec. Il y a eu un échec. Il faut que je tourne la page, quoi. Oui, voilà. Oui. Il faut tourner la page, il faut faire, entre guillemets, la mort de cette personne pour dire que maintenant, vous allez commencer une nouvelle vie. Le début de l'année prochaine est déjà positif, mais moi, j'ai un chiffre 3 vraiment pour que les choses se concrétisent. Alors, je m'explique. Je dirais que pour le mois de janvier, dans la première quinzaine du mois de janvier, vous rencontrez la personne, vous rencontrez cet homme et vous allez prendre connaissance avec lui, enfin de tout ce qui représente et discuter pas mal avec lui. Et à partir du mois de mars, parce que j'ai le printemps, chiffre 3 voire 4, donc à peu près mars voire avril, oui, vous avez vraiment des aspects positifs pour pouvoir aller de l'avant et pour que les choses se passent bien. Donc, moi, j'ai vraiment envie de vous dire d'être bien, d'être, je vais dire, sur une idée concrète. Parce que pour moi, vous allez rencontrer une personne qui va être quelque part aussi un ami au départ. Donc, dans mon entourage ? Oh, pour moi, c'est dans votre entourage, hein, oui. Oui. C'est quelqu'un, on va vous présenter quelqu'un. Au départ, c'est copain, copine. Oui, je ne sors pas beaucoup, alors. Ça, je l'avais compris. C'est pour ça que je vous ai dit, petit moment de déprime. Mais ça va passer. Je vous l'ai dit, c'est ces deux dernières années qui n'ont pas été positives pour beaucoup de personnes. Et je me mets dans le lot aussi. Hein. Je n'ai pas été épargné non plus. Je pense que 2012-2013 n'ont pas été des années, pour les astres, astrologiquement parlant, vraiment bonnes. Donc maintenant, ici 2014, il y a beaucoup de choses qui se décantent et qui s'ouvrent. Et je vois que pour vous, il y a vraiment des aspects positifs. Donc, vous devez rester confiante par rapport à ça. Donc, janvier, la rencontre. D'accord. Et à partir du mois de mars, une concrétisation amoureuse. Voilà, ma chère Sylvie. D'accord. Vous me sentez mieux pour 2014, alors ? Beaucoup mieux, même.
D'accord. Alors, Sylvie, avant de se quitter, on va remettre une carte mystère en jeu, donc du tarot de Marseille. Je rappelle le principe. Il y a 22 cartes. Vous dites un chiffre entre 1 et 22. Si vous devinez la carte que je vais tirer, eh bien, vous gagnez 10 minutes de consultation avec le voyant de votre choix. 20. Alors, je ne sais pas encore moi-même la carte. Hein. Donc, je vérifie. Oui. Malheureusement, ce n'est pas le 20. Je vous souhaite une belle soirée. Merci et bien. Puis, je vous dis à bientôt et beaucoup de bonheur pour vous. Pour 2014. Ben, je vous remercie bien, c'est gentil. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Sylvie. Alors, vous aussi, chers amis, vous l'avez vu comme Sylvie, comme Chantal, il est 21h51 très exactement. Il y a plein de personnes qui peuvent passer aujourd'hui sur antenne parce que c'est assez cool, j'ai envie de dire, assez calme. Hein, on est entre nous, vous le voyez, c'est l'émission confidentielle. Donc, je suis votre confident jusqu'à 23h. Et puis, c'est votre dernière chance aussi de m'avoir cette année, puisque début de l'année prochaine, évidemment, je reviendrai vous faire un coucou. Je ne vous laisserai pas sans me voir. Mais je serai là aussi demain, mais tout de même, profitez justement, peut-être demain il y aura plus de monde, qui sait, aujourd'hui c'est calme, donc profitez-en, composez le 3255, la touche étoile, et pour les amis belges, je rappelle également le numéro, c'est le 0900 88 126, et j'accueille quelqu'un sur le plateau de Confidentiel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Marilène. Marilène. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir Nicolas. Bonsoir Marilène. Votre date de naissance, ouais. S'il vous plaît. Oui, alors c'est le 10 mars 1964. Oui. Et je vous écoute. Je vous ai entendu. Vous avez dit que vous rentriez en contact avec les défunts. Oui. Sur antenne, c'est un petit peu compliqué, hein, mais je peux essayer de ressentir quelque chose pour vous. Voilà. Bah, écoutez, tout simplement, je voulais vous demander si. Si mes parents ont un message à me faire passer, voilà. S'ils ont un message pour moi. Disons que un message sur antenne, c'est un peu compliqué parce que j'utilise une méthode qui est l'écriture automatique. Donc, le faire sur antenne, c'est un peu trop long. Maintenant, vous pouvez m'appeler en privé sur donc la ligne d'Astro Center. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir, donc là, on pourra rentrer en contact. Hein. Donc, le numéro, d'ailleurs, apparaît en ce moment sur votre écran, 01 75 75 10 10. Mon code, c'est le 70 11. Vous demandez donc à parler à Nicolas Gigliotti et vous verrez. Donc, on pourra faire une séance d'écriture automatique au téléphone à partir de lundi. Parce que là, c'est pas que je ne veux pas vous aider, mais moi, je ne dis pas des bêtises. Donc, je ne veux pas vous inventer, oui, vos parents vont bien, ils vont pas bien. Non, moi, je veux faire vraiment quelque chose de carré. Et pour rentrer en contact avec un défunt, maintenant, si c'est juste une petite chose, des fois, j'ai une illumination comme ça. Mais quand je dois vraiment rentrer en contact, je le fais via l'écriture automatique. Et pour faire de l'écriture automatique, pour les personnes qui ne savent pas, eh bien, ça prend quand même un certain temps. On ne peut pas le faire sur commande comme ça. Et en plus, en direct, comme ça, à l'antenne, en 2 ou 3 minutes, ce n'est vraiment pas possible. Mais d'accord. Je vous invite à m'appeler. Donc, je vous ai dit le numéro. Mon code, oui. C'est le 7011. Donc, vous serez mis directement en relation avec moi. Et notre ami Vianney nous remet le numéro sur antenne 01 75 75 10 10. Voilà, Marilène. Mais je vais quand même, vous avez quand même téléphoné. Je ne peux pas vous satisfaire parce que je ne peux pas faire de l'écriture automatique sur antenne. Mais quand même, vous allez quand même jouer avec moi la carte mystère et qui sait, peut-être gagner 10 minutes en plus de la consultation gratuite. Si vous devinez la carte qui est devant moi entre 1 et 22. Le 22. Le 22. Je vérifie. Malheureusement, ce n'est pas le 22. Je vous dis à bientôt, Marilène, et n'hésitez pas si vous désirez me contacter. Je vous embrasse très fort, Nicolas. Moi aussi, en tout cas, du fond du cœur. Hein, et puis une grosse pensée pour tous les gens qu'on aime et qui ont disparu. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, Marilène. Voilà, je pense à quelqu'un à votre sujet. Je pense à quelqu'un en particulier. Merci. Je vois de qui vous parlez. Merci. Voilà. Beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous. À bientôt. Nicolas. Au revoir. À bientôt. Alors voilà, c'est aussi des moments d'échange. J'en perds mon latin parce que voilà, Marilène m'a beaucoup touché parce que c'est vrai qu'elle est en train de parfois voilà, Marilène a touché un point sensible chez moi de quelqu'un que j'ai perdu et que je tiens fort à cette personne. Donc
Mais c'est un peu comme tout le monde, hein. Je ne suis pas un cas à part. Je pense que quand on a perdu un proche disparu, c'est pas évident, c'est pas toujours évident, mais bon, il faut aller de l'avant. Et comme je le disais à Marie-Hélène, je peux faire de l'écriture automatique, je peux rentrer en contact avec vos proches disparus, mais sur antenne, c'est compliqué puisque je le fais via l'écriture automatique. Donc, je rappelle encore une dernière fois le numéro pour les consultations privées, 01 75 75 10 10, ça apparaît sur votre écran. Et pour arriver en direct sur l'antenne, poser une question amoureuse, professionnelle, argent, travail, enfant, tout ce que vous voulez, ça c'est au 32 55 et c'est là tout de suite maintenant que nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Marine. Marine. Oui. Et votre date de naissance ? Le 23 juillet 89. 23 juillet en 89. Et que désirez-vous savoir, ma chère Marine ? Moi, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous voyez pour moi au niveau sentimental. Alors, par rapport à quelqu'un en particulier ? Non, j'ai personne actuellement. Alors, je vais regarder. Il y a quand même quelqu'un qui a marqué. Hein. J'ai une carte flottante qui est la carte des erreurs. Donc, vous avez l'impression d'avoir fait quelques erreurs avec une personne. Mais bon, j'ai envie de dire, qui ne fait pas d'erreurs ? Voilà. Tout le monde peut se tromper, mais j'ai envie de dire... Comme je le dis souvent, hein, d'ailleurs sur antenne et même en privé, faisons abstraction du passé. On a tous un passé, on a tous fait des choses et c'est pas évident quelque part de parfois tourner la page. Mais bon, on est obligé, ça fait partie de la vie et de la conjoncture actuelle aussi. C'est vrai, bon, la vie n'est pas toujours rose, mais moi je vois en tous les cas que vous avez de nouvelles initiations, donc de nouvelles perspectives intéressantes pour rencontrer quelqu'un avec des bénédictions, juste à la coupe du tirage, donc c'est pas mal. Hein. Mm-hmm. Alors, les cartes rappellent bien sûr quelques épreuves difficiles. Vous avez été amoureuse d'un ami à vous ? Pas vraiment, non. J'ai l'impression qu'on dirait que vous avez, où vous allez, aimé quelqu'un, mais qui au départ serait entre guillemets un ami. Parce que j'ai la carte de la fraternité, la fusion qui est là. Donc, quelque part, après des moments de foudre, après des moments un petit peu compliqués, moi, je vois que vous avez des aspects positifs pour être en couple avec une personne que vous connaissez déjà. Donc, si ce n'est pas un ami sincère, ce n'est peut-être pas votre meilleur ami, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, c'est quelqu'un que vous avez pu croiser dans votre entourage. Et effectivement, l'homme de cœur est là, avec une belle élévation, des racines qui sont là et des choix à faire. Donc, vous allez pour moi faire un choix sur une personne qui va vous convenir et pour moi, ça va bien se passer. Donc, il faut que vous restiez confiante. Moi, je vois en tout cas qu'il y a de bons aspects, un bon présage pour vous et que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc au départ, moi je pense que vous le connaissez déjà, mais en tant qu'ami, mais à partir du mois de février, voire mars, j'ai un chiffre 2, entre 2 et 3, donc entre peut-être la Saint-Valentin et le début du mois de mars. Vous allez rencontrer votre Valentin et je vois que donc quelque part, vous allez vraiment pouvoir discuter avec lui et cette amitié, cette pseudo-amitié va se transformer en amour. D'accord. Voilà pour vous, ma chère Marine. D'accord. Alors, avant de se quitter, je vais vous proposer de jouer, bien sûr, avec moi à la carte mystère. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Et si vous devinez la carte qui est là devant moi, eh bien, vous gagnez cette consultation de 10 minutes. Alors, je dirais la 13. La 13. Je ne pense pas, mais je vérifie toujours. Hein. Malheureusement, ce n'est pas 13. Je vous souhaite une belle soirée, Marine. Et merci beaucoup de bonheur et puis de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Il est 22h, on va marquer une courte pause. Pendant cette pause, profitez-en pour composer le 3255 touche étoile. Vous arriverez directement sur le plateau, la ligne est libre. 0988 126 pour nos amis belges. Et d'ici 15 petites minutes, nous aurons la question confidentielle. Donc si vous voulez passer également à l'antenne, mais de façon confidentielle, composez pendant cette pause le 3255. Je vous dis à tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct.
N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. De retour sur le plateau de Confidentiel sur votre chaîne Astro Center TV. C'est l'émission de voyance en direct, comme chaque soir, 21h30, 23h. Je suis avec vous, Nicolas Gigliotti, c'est mon nom. Je suis médium, je m'appuie de mon oracle de la triade pour répondre à toutes vos questions. Et je fais également l'interprétation des rêves. Et comme on l'a vu tout à l'heure aussi, je peux rentrer en contact avec vos proches disparus. Mais là, c'est par écriture automatique. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas toujours évident de le faire sur antenne. Et j'accueille quelqu'un au 3255. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nicolas. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Janine. Janine, vous êtes notre mascotte. Vous nous appelez tous les jours. Oh, ben j'abuse, excusez-moi. Ah, mais non, mais vous n'abusez pas. Je dis que vous êtes notre mascotte parce qu'on vous aime c'est bien. C'est gentil, merci. Rappelez-moi votre date de naissance, 5-9-30. S'il vous plaît. Oui. Et votre question? Eh bien, c'est sur l'affectif. Vous m'avez dit à deux ou trois reprises que vous voyez un 3 pour le déménagement, je suppose, je ne sais pas. Et est-ce que vous voyez les rencontres beaucoup plus loin ou je ne sais pas, s'il vous plaît. Alors, je vais regarder par rapport à ça. Merci bien. C'est vrai que le printemps est une période assez favorable pour vous. Hein. Moi, j'ai de bons aspects à ce niveau-là. Donc on va regarder, oui, il y a de nouvelles portes ouvertes avec l'éternité, donc on est en train, si vous voulez, de vraiment pouvoir aller de l'avant. Mais vous vous découragez aussi, Janine. Hein. Vous savez, j'étais ça toute ma vie pratiquement, et ça fait 31 ans que j'attends de faire une rencontre et rien. Mais écoutez, ces 31 ans qui ont passé, maintenant oui, vont s'achever avec un choix à faire sur après des moments difficiles. Vous avez la fusion qui est là, je ne l'invente pas, je vous la montre dans les cartes, elle est là. Donc vous avez vraiment des aspects qui sont positifs, et donc positifs et favorables pour justement pouvoir aller de l'avant. Donc moi je vois, et regardez, vous avez même la carte de l'amour. Donc après des moments compliqués, moi je dirais qu'effectivement j'ai un chiffre 3 voire 4, donc on est vraiment sur la période du printemps pour que vous puissiez rencontrer cette personne. Très peu de temps après le déménagement, donc peut-être. Pour moi, c'est quasiment en même temps. Donc oui, quelques jours après, voire quelques semaines après votre déménagement, une fois que vous êtes bien installé, vous allez rencontrer cette personne. Oui, c'est peut-être un monsieur qui habite à résidence où je dois aller, non? C'est possible, parce que moi, je vois quelqu'un de très proche de vous, proche. Que vous allez croiser, et puis recroiser, et là, ça va devenir un bon compagnon de route. Ah oui, un monsieur très gentil. Mais avec plaisir, ma chère Janine. Alors, vous aussi, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 22, et peut-être avoir votre consultation. Pardon ? Le 17. Le 17, je revérifie. Malheureusement, ce n'est pas le 17. Non. Vous êtes une belle soirée, beaucoup de bonheur. Merci à bientôt, beaucoup, Janine. Au revoir, Nicolas. Au revoir. Et la régie embrasse aussi Janine, notre petite mascotte. Alors vous aussi, chers amis, vous le voyez, c'est très, très convivial ce soir. On partage des émotions, on partage des rires, des pleurs, on partage tout ce soir, vraiment. Donc n'hésitez pas, composez le 3255, la touche étoile, vous arrivez directement à l'antenne. 01 75 75 10 10, c'est pour les consultations privées. Et le 0900 88 126, c'est pour nos amis belges qui nous regardent ce soir via l'Internet. Et je leur fais plein de gros bisous. Et j'accueille quelqu'un en plateau. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Lydie. Lydie. Et votre date de naissance? Alors, le 25-9-55. 25-9-55. Et que désirez-vous savoir, ma chère Lydie? Alors voilà, je possède une maison dans laquelle j'ai encore quelques travaux à faire. Mmh. Et
Et donc, je voulais savoir une fois qu'elle sera finie, si vous me voyez vivre à l'intérieur, la louer ou la vendre. Alors, vous, votre souhait, j'ai pas l'impression vraiment que c'est de vivre à l'intérieur. Ben, je sais pas exactement, c'est pour ça. J'ai une confusion en fait en vous. C'est pour ça que je le dis. Hein. Oui. J'ai une confusion par rapport au fait que vous habitiez dedans. Moi, je pense que vous pourriez faire un bénéfice, donc pouvoir en fait, quand cette maison est terminée, quand cette maison est vraiment peaufinée, vous pourriez la vendre pour justement avoir plus d'argent et en acheter une autre qui vous convient mieux. Est-ce que c'est l'endroit qui ne vous convient pas? Disons que moi, j'aime bien le sud de la France, mais bon, je ne sais pas. Là, parce qu'en fait, vous avez fait construire cette maison et après, vous avez eu quelques réticences. Donc, c'est pour ça que je pose la question, est-ce l'endroit, est-ce qu'il n'y a pas de bonnes énergies positives là, dans cette maison? Parce qu'on dirait que ça ne vous attire pas. En même temps, vous avez envie... Disons que j'avais fait construire cette maison donc à l'époque où je m'étais mariée. Puis en fin de compte, j'ai eu un procès, il y avait des malfaçons qui a duré 12 ans. Voilà, oui, je comprends. Donc, travaux, je les termine en ce moment. Si l'endroit me plaît, mais je ne sais pas... Parce que je n'aimerais pas trop rester à Lyon, donc j'aimerais savoir justement si je l'avance, si c'est à cause de ça. Moi, je dirais que c'est pas que c'est une maison négative, mais quelque part, avec les souvenirs que vous avez, je comprends mieux maintenant pourquoi vous avez cette réticence à vivre dedans. Donc, vous allez pour moi la vendre, hein, mais vous avez une belle élévation, donc je dis même avec un bénéfice. Donc, vous allez la vendre plus cher que ce que vous ne pensiez. Et c'est rare, hein, parce qu'en général... on perd un petit peu d'argent. Mais là, c'est le contraire. Je vois que vous allez faire fructifier cette maison avec un petit peu plus d'argent. Ce n'est pas une somme énorme, mais c'est tout de même de l'argent. Et vous allez pour moi, eh bien, effectivement, faire un déménagement et vous rapprocher de l'eau. On me parle d'eau. Donc, si c'est le sud vraiment qui vous intéresse, bon, il y a la mer. Je vois c'est cette notion d'eau à côté de vous. Donc, j'ai vraiment ce ressenti pour moi que vous allez... au départ, peut-être faire un voyage pour organiser peut-être des visites justement d'autres maisons. Et alors, par la suite, donc, pouvoir peut-être habiter par là. En tout cas, moi, je vois que d'ici l'été prochain, vous allez vendre votre maison et qu'entre l'été et l'hiver de l'année prochaine, donc dans plus ou moins un an, pour moi, vous déménagerez quand même à quelques kilomètres, quelques bons kilomètres de chez vous. Là où vous êtes actuellement. Et vous allez près de l'eau. Vous êtes à proximité de l'eau. Donc, c'est pour moi un endroit où, oui, je suppose que c'est le sud, puisqu'il y a du soleil. Et je pense que c'est là que vous allez aller. Les cartes montrent bien un choix. Donc, quelque part, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est le cas de le dire. Le choix est entre vos mains. Donc, vous allez voir. J'habite Lyon, donc ça ferait quand même pas mal de kilomètres. Hein. Oui, mais c'est ça que je dis, quelques bons kilomètres de chez vous, mais c'est pas insurmontable. Vous allez pouvoir arriver à votre projet puisque vous allez, vous allez pouvoir vendre votre maison à un très bon prix qui vous permettra donc de pouvoir aller voir des maisons justement dans le sud. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que dans le sud, je serai bien. Pour moi, vous vous sentirez mieux. Nouvelle harmonie pour vous, en tous les cas. Voilà, ma chère Lydie. Alors, avant de se quitter, je vais vous demander, si vous le désirez, bien sûr, jouer avec moi la carte mystère et donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. 17. 17. On s'éloigne, hein, je pense, oui. Malheureusement, ce n'est pas le 17. C'est je vous souhaite une belle soirée, Lydie. Beaucoup de bonheur et de très bonnes fêtes de fin d'année. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de bonheur à vous aussi. Merci bonsoir. Beaucoup. À bientôt. Au revoir. Il est 22h10, très exactement, donc on est ensemble encore pour 50 minutes, si j'arrive à bien compter. En direct absolu, vous composez le 3255, la touche étoile. Vous voyez, c'est très convivial, très simple d'arriver ici sur le plateau. Il n'y a pas de jugement, je ne juge personne. Il n'y a pas de bête question. Toute question a une réponse. N'allez pas vous coucher avec une interrogation. Au contraire, téléphonez-moi et j'essaierai de répondre au mieux à votre question. Il n'y a que deux sujets qu'on évite, c'est la santé et le juridique, sinon tous les autres sujets sont abordables ici sur antenne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Catherine. Catherine.
Voilà, je suis née le 05-03-69. 05-03-69. Et que désirez-vous savoir, ma chère Catherine? Alors, c'est au niveau professionnel. J'ai une personne qui me déstabilise sur mon lieu de travail, une collègue de travail. Oui. J'ai sa date de naissance. Oui, je veux bien. C'est le 30 janvier 70. Et son prénom? Agnès. Ok. Et je voulais savoir ce que vous sentez. Enfin, j'ai du mal à la cerner. Je voulais savoir ce que vous, si vous pouvez me, enfin, m'aider, m'éclairer. Mmh. On va regarder à ça. Mmh. Mais disons que cette Agnès, c'est une arriviste en fait. Elle veut, ouais. Elle veut évincer tout le monde sur son passage. Voilà, c'est ça. Pas évident, hein. Je vois de l'adversité hein, sur le travail. Donc effectivement, cette personne, on peut dire que ce n'est pas une gentille personne. C'est ouais. une personne arriviste et envieuse. Mais regardez, je vois quand même une nouvelle naissance. Moi, je vois une clé de réussite après une période de temps. Donc ça fait un moment qu'elle vous ennuie, oui. Pour ne pas dire autre chose. Mais ouais. je dirais que pour moi... Écoutez, moi, j'ai la sensation qu'elle ne va pas rester, cette personne. Je sais pas, j'ai du mal à la cerner, mais c'est vraiment quelqu'un de spécial, quoi. Oui, elle est spéciale et puis elle est méchante aussi en parole. Ouais, elle parle dans le dos, c'est une faux cul, hein, excusez-moi. J'appelle un chat, c'est une faux cul parce oui, qu'elle parle dans votre dos, mais pas que dans le vôtre. Hein. C'est quelqu'un qui aime semer la zizanie partout. Mais moi, je vois honnêtement qu'elle ne reste pas. Je vous dis les choses comme je les ressens. Ça va durer longtemps encore? Oh, écoutez, moi je vois ici la mort qui est là, bien sûr, pas la mort physique, hein, mais la mort pour dire qu'elle termine son travail avec une belle lumière. Donc pour vous, elle, moi je dirais qu'elle partirait pour le printemps grand maximum. Elle va recevoir son préavis. Ou alors elle va trouver autre chose, mais je pense plus qu'elle va avoir son préavis parce qu'elle va être prise en flagrant délit de quelque chose. De fraude ou de choses qu'elle ne devait pas faire, en tout cas. Parce que moi, je ne la vois pas, en tout cas, rester au sein de l'entreprise, de la société dans laquelle vous êtes. Je vois que cette femme va s'écarter. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, encore un peu de patience, mais ce n'est pas vous qui changez, hein, c'est elle qui change. D'accord. Voilà pour vous, ma chère Catherine. Je vous remercie infiniment, Nicolas. Mais avec grand plaisir, et je vais peut-être avoir l'honneur et le plaisir de vous offrir 10 minutes avec le voyant de votre choix si vous devinez la carte qui est devant moi, un chiffre entre 1 et 22. Le 8. Le 8. Je revérifie, toujours par acquis de conscience, malheureusement, ce n'est pas le 8. Je vous souhaite J'aurais une belle soirée. Moi. Pardon. À vous poser, est-ce que je peux vous rappeler Rappelez-nous, il n'y a pas de souci, il y a de la place. Vous repasserez d'ici, peut-être pas quelques secondes, mais d'ici quelques minutes. 32-55, touche étoile, il n'y a pas de file d'attente. On me signale en régie que c'est très calme ce soir, donc vous avez tout à fait l'opportunité de repasser sur antenne dans quelques minutes. Bon, donc, je vais essayer. Recomposez le numéro, Catherine. D'accord. À tout Merci à l'heure. Merci beaucoup, Nicolas. Au revoir, à tout à l'heure. Au revoir, à tout à l'heure. Il est 22h14. Dans 5 petites minutes, nous allons prendre la question confidentielle. Si vous avez envie de passer, justement, pour notre séquence question confidentielle, c'est le même numéro, c'est le 3255 touche étoile. Alors, j'explique le principe. Un téléspectateur, donc vous qui nous regardez, allez appeler. Vous arrivez ici en plateau. Moi, je l'entends dans mon oreillette. Il n'y a que moi qui l'entends, donc vous ne l'entendez pas. Et alors, à ce moment-là, ben, c'est vraiment une consultation dans le plus grand secret, la plus grande confidence, puisqu'il n'y a que moi qui entends la voix de la personne, date de naissance, etc. Ce n'est que pour moi. Voilà, je suis un peu égoïste pour le coup. Mais là, pour l'immédiat, c'est le cours normal de l'émission. C'est le 3255, le numéro, la touche étoile. Je rappelle également que vous pouvez prendre des consultations privées avec moi-même ou un de mes collègues au 01 75 75 10 10. Et pour les amis belges, vous pouvez également prendre un rendez-vous. Alors, je vais donner le numéro façon belge, 00 33 1 75 75 10 10. C'est le même principe. Hein. Donc, vous prenez votre téléphone, vous appelez en faisant le préfixe. Et donc, vous pourrez prendre une consultation privée. Et si vous désirez passer à l'antenne, chers amis belges, le numéro apparaît en ce moment sur votre écran, 0988 126. Et j'accueille quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Arlette. Arlette.
Et votre date de naissance? Le 8-11-46. 8-11-46. Et que désirez-vous savoir, ma chère Arlette? Eh bien, je voudrais savoir, c'est au niveau de ma petite fille, qui est taureau. Elle est comme moi, c'est une fonceuse. Le 16-4-95. Ah, elle n'est pas taureau alors, elle est bélier. Oui. Et en ce moment, elle ne veut pas me parler. Et je voudrais savoir si ça va s'arrêter et si elle va aller mieux, parce que j'ai l'impression qu'elle ne va pas très bien. Alors, donnez-moi son prénom. Sylvia. Sylvia. Alors, je fais... Sylvia. Célia, pardon. Oui. Je fais une petite précision. Vous me dites qu'elle est taureau. Mais si elle est née le 16 avril, elle est bélier. Elle n'est pas taureau. Si, elle est née le 17 mai 1995. Ah, ok. Moi, j'ai compris le 16 avril. À mon avis, j'ai du mal à entendre. Donc, le 17 mai 95. Voilà. Ah, effectivement. Elle est taureau comme moi, comme je disais. On a du répondant. On est fonceur. Écoutez, moi je dirais qu'elle boude dans son coin, mais c'est l'âge qui veut ça. Je pense que c'est une mauvaise période pour elle. Quand vous dites qu'elle ne va pas bien, c'est pas qu'elle ne va pas bien, c'est qu'elle est dans la période de l'adolescence et que c'est pas hyper évident pour elle. C'est ça que j'ai envie de dire. Mais elle n'a pas de gros problèmes. Hein. Ce sont des petits soucis de jeunes filles, voilà, qui arrivent quand on a... Quand on a un certain âge, avant la vingtaine, bon, c'est vrai que, garçon ou fille, hein, là je prends l'exemple d'une fille, mais je veux dire, on a tous eu notre période un peu rebelle comme ça, où on s'isole, on a envie de faire plein de choses et finalement on ne fait rien, puisque voilà, on a l'impression que le monde nous appartient, et puis on en veut à la terre entière. Ce lunatisme qu'on a en période d'adolescence, ce n'est pas une maladie, ça fait partie de la vie, c'est tout à fait naturel. Donc moi je dirais que pour le moment elle boude dans son coin, mais je vois de nouvelles perspectives, de nouvelles portes ouvertes. Donc pour les fêtes de fin d'année, moi je pense sincèrement qu'elle vient vous souhaiter joyeux Noël et qu'elle vient vous faire la bise. Donc il n'y a pas longtemps encore à patienter. Hein. C'est vrai qu'elle a son caractère, mais au fond elle vous aime bien, vraiment. Et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, j'ai vraiment ce ressenti, les cartes le confirment également. Donc je dirais que d'ici la fin de l'année, en plus les fêtes de fin d'année, en général les fêtes de Noël, c'est justement l'occasion parfois pour des familles, des amis ou même des couples de se renouer, de se ressouder parce que on a envie d'être ensemble. Noël est une fête où on partage, où on est avec ceux qu'on aime. Et je pense sincèrement que même si elle ne passe pas le réveillon de Noël à proprement parler avec vous, peut-être le jour de Noël, elle viendra vous souhaiter ce joyeux Noël et vous vous sentirez bien. Donc, soyez confiante par rapport à Célia et ne vous tracassez pas. Elle a ses petits soucis d'adolescente, mais rien de grave. Voilà, ma chère Arlette. Elle sortait avec un garçon qui s'appelait Simon et depuis cette période, je la trouve tracassée. Je pense qu'elle a aimé effectivement ce Simon, mais je dirais encore une fois, l'adolescence joue beaucoup. À son âge, on ne peut pas vraiment... Si, on peut tomber amoureuse, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est l'homme de sa vie. Donc, il y a eu des petites disputes, mais des petites choses d'adolescente. Donc, ne vous tracassez pas. En tout cas, moi, je vois que Célia revient vers vous d'ici quelques jours, j'ai envie de dire, puisqu'on va être vite, on va être vite à la fin de l'année. Voilà, alors on est un peu pris par le temps, ma chère Arlette, donc je vais vous proposer de me donner un chiffre entre 1 et 22 pour peut-être gagner 10 minutes avec le voyant de votre choix. Le 4. Le 4, c'est bien ça. Oui. Je revérifie, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin, mais ce n'est pas le 4. Je vous souhaite une belle soirée, Arlette, et si vous désirez reposer une question, retentez votre chance aussi à la carte mystère, le 3255 et votre numéro également. C'est une belle Merci soirée, beaucoup. De bonnes fêtes de fin d'année et à très vite. À bientôt. À bientôt. Alors, nous allons marquer une courte pause. Il est 22h20. On se retrouvera juste après donc, cette courte pause pour la question confidentielle. Alors, vous, chers téléspectateurs, vous voulez poser cette question confidentielle. C'est très simple. Vous composez maintenant, là, tout de suite, le 3255, touche étoile. Et après ce petit jingle, vous êtes mis en relation avec moi ici sur le plateau. À tout de suite. Un
conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, votre émission 100% voyance sur votre chaîne Astro Center TV. Vous nous regardez également depuis la Belgique via internet sur le www.astrocenter.tv. J'embrasse d'ailleurs tous nos amis belges qui sont nombreux à nous regarder, qui peuvent nous appeler d'ailleurs au 0900 88 126. Alors quelqu'un vient de composer le 3255 et c'est l'heure de notre question confidentielle. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Oui. Et votre date de naissance? Et que désirez-vous savoir? Oui. Et cette personne est née? Alors, ok. Alors, je vais regarder. C'est une personne qui n'est pas libre. Ok, donc j'explique pour nos téléspectateurs. Donc c'est la question confidentielle. J'ai quelqu'un en ligne, un jeune homme en ligne qui demande par rapport à une dame. Et cette dame n'est pas libre, mais c'est vrai, comme vous le soulignez, que dans son couple, moi, je vois que ça bat de l'aile. Hein. Donc, je ressens bien au départ qu'elle n'est pas libre, ça, c'est vrai. Mais je dirais que nous avons ici des aspects positifs pour que, justement, elle mette fin à cette relation. Parce qu'elle est mariée et je vois la fin de ce mariage, la fin de entre guillemets, de ce contrat de mariage, je vais appeler ça comme ça. Hein. Donc, elle va se séparer. Moi, je vois que cette femme, pour ne pas la nommer, arrive dans votre vie plus vite que prévu, parce que je pense que vous êtes fixé un délai assez long. Mais non, il faut rester tout de même assez positif et favorable par rapport à ça, parce que j'ai une belle élévation qui est là. Et donc, j'ai dans les racines aussi. Donc, pour moi, vous allez refonder, entre guillemets, une famille avec cette personne. Donc, j'ai vraiment le ressenti que ça va bien aller. Et je dirais que d'ici le mois d'avril, j'ai un chiffre 4. Donc, on va vraiment pouvoir aller de l'avant. Donc, soyez confiants, mon cher ami, puisque je ne vais pas vous appeler par votre prénom. Et je vois que pour moi, ça va bien se passer. Donc, encore un petit peu de patience. Voilà pour vous. Avec plaisir. Alors, avant de se quitter, vous aussi, même que vous êtes en question confidentielle, vous pouvez jouer avec moi au jeu de la carte mystère. Si vous devinez le chiffre entre 1 et 22 du tarot de Marseille, la carte est devant moi. 10. Je revérifie. Malheureusement, ce n'est pas le 10. Belle soirée à vous et à bientôt. Au revoir. Alors, c'était notre question confidentielle. Non, comme je le dis chaque soir, vous n'avez pas un souci de son à votre téléviseur ni à l'ordinateur. En fait, c'est parce qu'il n'y a que moi qui ai entendu la personne dans l'oreillette et donc elle m'a posé sa question en toute confidence. On n'a pas entendu sa voix, ni sa date de naissance, ni rien. Voilà. C'était le principe de cette question confidentielle qui, bien sûr, reviendra demain. Chaque jour, on remet en jeu cette consultation, si on veut, confidentielle. Mais le principe reste le même. Hein. Vous appelez le 3255 touche étoile et vous arrivez à l'antenne, sauf qu'il n'y a que moi qui vous entend. Là, on reprend le cours normal de l'émission. Je rappelle qu'en fin d'émission, il y aura une surprise, donc une surprise de taille. Donc, restez avec nous, bien sûr, sur Astro Center TV et composez dès maintenant le 3255 touche étoile. Et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? France. France. Je suis née le 14 janvier 51. 14 janvier 51. Ce soir, voilà. On a toutes les chanteuses françaises. Hein. On a Sylvie Vartan, on a France Gall, on a tout le monde. Hein.
Dites-moi votre question, ma chère France. Alors, j'aurais voulu que vous regardiez au niveau de ma vie sentimentale. Voilà. Alors, par rapport à quelqu'un en particulier? Pas vraiment. Vous êtes seule? Oui. À moitié? Non, je suis seule. Non. En tout cas, il y a encore quelqu'un dans la tête. Oui et non. Oui et non, mais bon, quand même là, parce que moi, je ressens cette petite chose qui est là au fond de vous, qui vous titille, mais vous voulez tourner la page, et c'est tout en votre honneur, hein, parce que faire abstraction du passé, je le dis souvent, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il y a de mieux à faire de toute façon. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des moments d'adversité, des moments compliqués où vous n'avez pas eu toujours les armes en main pour pouvoir évoluer par rapport à une ancienne relation. Mais on va laisser tout ça derrière. Une personne très spirituelle, hein, vous avez le troisième œil. On va faire la mort justement, bien sûr, encore une fois, je le répète comme chaque soir, pas la mort physique d'une personne, mais vous avez une clé de réussite pour affronter les mauvais moments du passé, donc pour dire d'aller vraiment de l'avant et de pouvoir vous sentir bien. En tout cas, moi, j'ai des aspects qui sont relativement positifs et favorables, une belle lumière. Alors après, justement, avoir fait la mort des mauvais moments, vous avez la naissance qui est là, donc il y a une renaissance, la lumière est là, et vous avez de belles cartes, de beaux présages pour pouvoir évoluer. Donc j'ai vraiment ce ressenti que pour moi, vous allez vraiment évoluer vers quelque chose de bien. Donc, vous rencontrez une nouvelle personne. Le printemps est la période des amours, comme on dit souvent, mais en l'occurrence, ici, je fais au cas par cas, et c'est votre cas. Je dirais que pour le mois de mars, vous avez, à mars, voire début avril, vous avez cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Elle fait son entrée dans votre vie. Pardon ? Toute nouvelle personne. Moi, je ne vois pas quelqu'un que vous connaissez. On est dans une petite sortie. On est dans une petite sortie entre amis. Même si ce n'est pas souvent que vous sortez, à ce moment-là, bon, vous serez invité, vous sortirez. Et le hasard, bien sûr, je ne crois pas au hasard, mais on va dire le destin, entre guillemets, va se mêler à cette soirée et vous mettre votre Valentin sur votre route. Donc, moi, je sens vraiment que le mois d'avril sera fleurissant, comme le printemps. D'accord. Voilà pour vous, ma chère France. Bien. Alors, avant de se quitter, je vais vous proposer de jouer avec moi la carte mystère. Ah, et oui, si vous gagnez, donc peut-être 10 minutes de consultation avec le voyant de votre choix. La carte est là, entre 1 et 22. Je vous écoute. 7. On s'éloigne un petit peu. Ce n'est pas le 7, malheureusement. Je vous souhaite une très belle soirée, France. Et puis de très bonnes fêtes. Au revoir. À bientôt. Beaucoup de bonheur pour vous. Merci. Il est 22h29 très précisément. Vous êtes en direct sur votre chaîne Astro Center TV. Comme chaque soir, vous êtes fidèle et vous vous dites « J'ai envie de poser une question, mais je n'ose pas ». Ça, c'est pas bien, ça. Donc, osez ce soir parce qu'il y a de la place. Il y a de la place et oui, il n'y a pas de file d'attente. Donc, 3255, touche étoile. Vous arrivez en quelques secondes sur le plateau. Et pour les amis belges, je rappelle également le numéro de téléphone. C'est le 0900 88 126. Avons-nous quelqu'un ? Allô, bonsoir. 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 Quel est votre prénom ? C'est Maria. Maria. Oui. Et votre date de naissance ? C'est 25-11-54. Et que désirez-vous savoir, ma chère Maria ? Ben, un peu ma vie sentimentale. Alors, par rapport à quelqu'un en particulier ? Oui, ben, il y a deux personnes. Alors, je vous écoute pour les prénoms. Alors, le prénom ? Oui. Alors, Jean-Philippe. Jean-Philippe, vous avez sa date de naissance ? Oui, 25-02-55. Oui. Et donc, il y a une autre personne aussi ? Oui. Et son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît ? Alors, je crois qu'il est du 21 avril 55. Oui, et son prénom ? Max. Max ? Oui. Alors... Donc, vous voulez savoir avec lequel vous allez vous stabiliser. Alors, je voulais déjà voir au niveau de Philippe. Au niveau de Philippe.
Vous avez déjà une relation avec Philippe? Je te marie avec. Ah ben voilà, parce qu'il y a des initiations avec Philippe. Donc vous avez déjà une relation avec lui, comme je vous dis. Par contre, par rapport à Max, moi je pense qu'il vous attire. Il y a une attirance qui est là, une attirance physique, une attirance mentale, spirituelle, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, ça reste passager. Pour moi, il faudrait essayer quand même d'arranger les choses avec Jean-Philippe. Même si vous êtes attiré par Max, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'attirance, hein, mais regardez, vous avez une réussite, une clé de réussite, mais on fait la mort quelque part parce que cette relation va prendre fin. Donc, moi, je dirais la relation avec Max, elle ne va pas durer éternellement. Non, mais de toute façon, il n'y a rien entre moi et cette Oui, mais c'est ça que je dis, il y a de l'attirance, mais cette relation, même s'il peut se passer un petit truc, un petit quelque chose, ça ne va pas faire que vous soyez vraiment en couple stable. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, j'ai plutôt envie de dire, soyez confiante pour l'avenir, parce qu'avec Jean-Philippe, moi, je vois de nouveaux présages, de nouveaux aspects positifs. Donc, il faut être un petit peu encore patiente. Je dirais que cette fin d'année est un peu compliquée. Janvier entre les deux, à partir de février, en s'approchant du printemps, vous verrez que les choses avec Jean-Philippe vont s'améliorer. Même s'il y a un petit pas sur le côté avec Max, ça ne restera qu'une aventure. Ce ne sera pas une relation sérieuse. Non, mais de toute façon, il n'y a rien du tout. C'est un ami de longue date. Hein. Mais voilà, je vous le dis, il n'y a rien du tout. Ouais. Mais même s'il y a un petit faux pas, peut-être, ça peut arriver. On n'est pas fait en bois, mais ça ne sera qu'une petite aventure, une petite relation. Alors, je peux vous donner le nom non. Bon, mais il n'y a rien non plus. C'est donc je vais connaître. C'est François. Et qui est François? François, je ne sais pas si je le connais pas encore. C'est par Internet. Et sa date de naissance? Alors là, je ne sais pas. Plus ou moins quel âge aurait-il? 56. Alors, plus ou moins 56 ans. Alors, parmi ces trois hommes, écoutez, je ne peux pas faire le choix à votre place, hein, mais moi je vous dis... Avec... Non, mais justement, j'ai été fidèle qu'à mon mari. Jean-Philippe. Là, on a tout pareil. Oui, mais moi, écoutez... Moi, je dirais continuer à être fidèle à Jean-Philippe parce que François, personnellement, je ne pense même pas que vous allez le rencontrer de façon réelle. Je pense que ça va rester une relation virtuelle, même si éventuellement vous iriez prendre un café. Ce n'est pas, je vais dire, quelque chose d'extraordinaire. Max, il est très bien, mais je vous dis, c'est quelqu'un qui restera sur le côté. Et pour moi, les choses vont s'améliorer avec Jean-Philippe. Donc, concentrez-vous sur lui. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, avant de se quitter, ma chère Maria, peut-être on pourra parler justement de vos trois hommes en privé si vous devinez la carte mystère entre 1 et 22 du tarot de Marseille qui est devant moi. Je vous écoute. Je dirais 1. Le ? Le 1. Le 1. On n'est pas loin du tout. On brûle, mais ce n'est pas le 1, malheureusement. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à bientôt, Maria. Merci, à bientôt. Au revoir, bonne soirée. Il est 22h34 précisément. Nous allons marquer une courte pause. Et pendant cette pause, on vient encore de me signaler dans l'oreillette qu'il n'y a personne en file d'attente. Donc, vous n'allez pas me laisser comme ça, tout seul sur le plateau. Je vais m'ennuyer. Non. Composez le 3255. Touche étoile, ne restez pas avec une interrogation, n'allez pas vous coucher avec cette question qui vous taraude depuis longtemps. 3255, touche étoile. Et pour les amis belges, 0988-126, je vous dis à tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent.
Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, votre émission de voyance, comme chaque soir sur Astro Center TV. Je suis très heureux d'être en votre compagnie. Je m'appelle Nicolas Gigliotti. C'est la deuxième soirée qu'on passe ensemble et on sera encore ensemble demain soir. C'est votre dernière chance, quelque part, si vous avez envie de m'avoir et d'avoir que je puisse répondre à votre question sur cette année. Je reviendrai bien sûr début janvier avec vous, mais là, pour le coup, je suis là ce soir. On me signale que c'est très calme, qu'il n'y a pas de file d'attente. D'habitude, des fois, on a pas mal d'appels, mais là, en l'occurrence, c'est assez calme. Donc, composez dès maintenant le 3255 touche étoile et directement, vous arriverez ici sur le plateau et j'accueille quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, rebonsoir Nicolas, c'est Catherine. Catherine. Je vous ai eu tout à l'heure. Alors, bon, Catherine, mais vous voyez, c'est facile, on peut repasser à l'antenne, il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. Rappelez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 05-03-69. Oui. Et là, j'appelle pour mon frère Pierre. Pierre. Qui est né le 1er octobre 70. 1er octobre en 70. Alors, je vais regarder. Et que désirez-vous savoir sur Pierre? Il a eu quelques soucis. Je voulais savoir au niveau professionnel où sont mieux. Comment il va se sentir, s'il va se sentir mieux à l'avenir ou comment. Oui, au niveau professionnel, on va regarder. Parce qu'il a eu des problèmes de santé, mais je sais qu'on n'a pas le droit de parler de santé. Non, la santé, je ne peux pas aborder, voilà, même le psychologique. Hein, je ne peux pas rentrer dans ce genre de détails. Voilà. Mais dans ce que je ressens par rapport à Pierre, c'est que oui, il s'est renfermé sur lui-même, hein, si oui. On regarde bien. Hein. Je vais quand même regarder avec les cartes, mais moi, j'ai déjà mon ressenti, oui, qui est fait. Hein, voilà, l'adversité, bon, les amours, ce n'est pas le top, le travail, ce n'est pas le top non plus. Donc, il a fait une petite déprime, hein, notre ami Pierre. Mais moi, je vois quand même, après une période quand même compliquée, les cartes parlent d'elles-mêmes, on le voit ici, hein, vous avez vraiment une clé de réussite pour lui. Hein. Ici, ce n'est pas un tirage pour vous, donc je parle en son nom. Je vois un nouveau départ après des périodes de silence. Donc, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, justement, de ses problèmes. Il est assez secret. Hein. Mais voilà, il y a la mort qui est là. Donc, bien sûr, pas la mort physique, comme je le répète chaque soir, mais la mort des mauvaises choses, parce qu'il y a l'âme qui est là. Il y a de nouveaux aspects, une renaissance, si on veut, avec la lumière qui est là, après des désillusions. Donc, c'est vrai qu'il a été bercé de désillusions pendant pas mal de temps. Et ici, il arrive, pour moi, à quelque chose d'assez concret. Donc, il va reprendre goût à la vie, le goût de vivre, le goût d'aller de l'avant. Et je dirais que pour moi, c'est déjà à partir du 15 janvier. Hein, on est déjà sur le tout début de l'année, parce que j'ai vraiment un ressenti positif qu'il va pouvoir, entre guillemets, s'en sortir et commencer tout doucement à aller mieux. L'année 2014 sera une année reconstructrice pour lui. En tout cas, d'accord, je le ressens très fortement. Donc, et au niveau professionnel, donc vous voyez qu'il va y avoir du mieux. Mais disons qu'au niveau professionnel, moi, je vois une évolution générale. Donc, c'est aussi bien au niveau financier, amoureux, professionnel, c'est général pour lui. À partir du 15 janvier, vraiment, il entre dans quelque chose de nouveau, des aspects positifs, et ça lui permet donc de se reconstruire, si on veut. Voilà pour vous, ma chère Catherine. Ben, je vous remercie infiniment, Nicolas. Avec grand plaisir, et puis je vous invite à me donner un chiffre entre 1 et 22. Pardon. Je vais dire le 4. Le 4. Alors, on n'est pas très loin, mais ce n'est pas le 4. Mais vous pouvez encore retenter votre chance, comme c'est calme ce soir, si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle soirée, Catherine. Je vous embrasse fort. Moi aussi, je vous embrasse fort. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, vous aussi, chers amis, comme Catherine et comme tant d'autres, hein, vous voulez passer à l'antenne. Il est 22h40. On est ensemble encore pour 20 minutes. Et puis, vous aurez aussi la possibilité d'avoir une pause d'une heure. Et puis, pour les couches tard, de minuit à 1h10, je reviendrai avec un grand plaisir en votre compagnie. Nous allons accueillir quelqu'un qui vient de composer le 3255. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Allô? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Catherine. Catherine.
Et votre date de naissance? Le 20... Pardon. Le 20... Le 20-02-68. 20-02-68. Alors, excusez-moi Catherine, je vais demander à la régie si on peut couper la climatisation, parce que j'ai l'impression de ne plus savoir parler. Si on peut faire ça pour moi, ce serait gentil. Merci beaucoup, voilà. Excusez-moi Catherine, donc 20 février 68, et que désirez-vous savoir? Merci Vianney pour avoir coupé la clim. Dites-moi Catherine, votre question. J'aimerais connaître mon avenir sentimental. Alors, par rapport à quelqu'un en particulier? Jean-Paul. Jean-Paul. Et sa date de naissance, s'il vous plaît? Le 20, 12, 63. 20, 12, 63. Alors, Catherine, moi, j'ai envie de dire, il y a quand même pas mal d'éloignement entre vous. Oui. Je le ressens, hein. C'est pas évident. Écoutez, moi, dans ce que je ressens, je vois qu'il y a quand même des nouvelles qui sont positives par rapport à lui, mais est-ce qu'il est totalement libre, lui? D'après ce qu'il me dit, oui. Alors, c'est qu'il n'a pas encore réglé quelque chose du passé. Donc, parce que j'ai vraiment le ressenti que, pour moi, il y a vraiment des aspects qui ne sont pas des plus positifs. Donc, je pense que s'il est célibataire, dans son cœur, il l'est certainement, mais il n'a pas tout réglé de son passé. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, que ça met une certaine distance à certains moments. Et moi, je vois que les choses vont pouvoir s'améliorer. Mais c'est vrai que pour le moment, ce n'est pas évident. Hein. C'est peut-être pas le bon. Pardon? C'est peut-être pas le bon. Mais j'ai envie de dire, il va se libérer totalement. Mais moi, je pense effectivement, hein, si on va un peu plus loin dans les cartes, vous allez avoir votre relation avec lui. Ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vois que sur l'été, il y a une nouvelle personne pour vous. Donc, on ne sait pas changer son destin, quelque part. On sait un petit peu le contourner, mais on ne sait pas vraiment le changer. Donc, vous aurez quand même cette relation avec Jean-Paul, mais elle durera ce qu'elle durera. Mais sur l'été, vous rencontrerez une nouvelle personne avec qui vous vous sentirez mieux. Et là, à ce moment-là, vous devrez faire un choix. Il faudra trancher. Mais moi, sans vous influencer, moi, je vous dis ce que je ressens, et puis vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ressens que c'est avec une nouvelle personne que vous allez pouvoir construire votre vie amoureuse. Merci. Voilà pour vous, ma chère Catherine. Alors, avant de se quitter, je vais vous proposer de me donner un chiffre entre 1 et 22 et peut-être on pourra développer plus de choses sur le sujet amoureux. Le chiffre entre 1 et 22 du tarot de Marseille, la carte est devant moi. Le 6. Le 6. Je revérifie toujours par acquis de conscience, mais on s'éloigne un peu. Ce n'est pas le 6. Je vous souhaite une belle soirée, Catherine. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous rappeler. Il n'y a pas beaucoup de monde ce soir au standard. Donc, recomposez si vous avez envie le 32-55. Belle soirée à vous et à bientôt. Bonsoir. Au revoir. Alors, vous aussi, chers amis, comme Catherine et comme tant d'autres, hein, ce soir, il y a beaucoup de personnes qui passent puisque, justement, il n'y a pas de file d'attente. Donc, c'est très simple. Hein, vous composez le 32-55, la touche étoile, et en quelques secondes, vous êtes sur le plateau. On essaye de prendre un maximum de personnes. Je rappelle également qu'on peut me consulter en privé pendant la semaine, pendant le week-end, et également consulter tous les collègues que vous voyez à l'antenne et ceux qui sont dans l'ombre également, qui sont en ligne et spécialement pour vous, avec une spécificité différente pour chacun. C'est au 01 75 10 10. Non, je répète, 01 75 75 10 10. Vous composez ce numéro et vous arrivez au standard et vous demandez à parler à un conseiller qui sera libre et qui vous aidera. Si vous êtes en Belgique, vous pouvez également composer ce numéro. Et vous pouvez également, en Belgique, composer le numéro pour arriver sur l'antenne d'Astro Center TV sur le 0900 88 126. Le bandeau est là sur votre écran. En ce moment, nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir.
Bonsoir, quel est votre prénom ? Christine. Christine. Et votre date de naissance ? 26-10-50. 26-10 en 50. Et que désirez-vous savoir, ma chère Christine ? Mon avenir sentimental. Alors, par rapport à quelqu'un en particulier ? Oui. Qui s'appelle ? Gérard. Gérard. Et sa date de naissance ? Le 3 octobre 1954. 3 octobre en 54. Alors, je vais regarder. C'est quoi qui vous inquiète exactement sur lui ? Comment ? Qu'est-ce qui vous inquiète vraiment sur lui ? Ben, un peu tout. Un peu tout, mais en même temps, un peu rien. Parce que j'ai l'impression que vous faites des idées, beaucoup d'idées sur lui. Oui. Vous avez peur qu'il soit infidèle ? Oui. Écoutez, moi, je dirais, dans votre vie de femme, il y a une protection. Donc, moi, je ne le vois pas infidèle. Vous ne le voyez pas infidèle ? Vous le voyez seul ? Ben, moi, je dirais qu'il doit régler certaines choses de son passé. C'est un fait certain. Mais pour moi, il n'est pas amoureux de quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Donc, je vois quand même une belle réussite qui est là. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? De 13 ans. 13 ans. Et avant ça, il a eu une autre personne avec qui il s'est séparé ? Il est toujours avec. Il est toujours avec, mais il est pour se séparer. Parce que comment ? Moi, je dis, il est avec vous, mais bon, il est avec cette personne pour la loi, pour les papiers. Mais je ne le vois pas. Avec cette personne vraiment amoureux. Je ne dis pas qu'il n'a jamais été amoureux de cette personne, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, ne vous trompe pas. Son cœur est libre, il est pour vous. Et moi, je vois dans les cartes la fin d'un contrat. Donc, la fin d'un, si on veut, entre guillemets, d'un contrat de mariage. Hein. On peut appeler ça comme ça. Alors écoutez, moi j'ai des aspects relativement positifs, donc pour moi, vous n'avez pas à vous tracasser, vous avez vraiment de beaux aspects qui sont là. C'est vrai qu'il y a des moments compliqués, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, vous êtes en train d'évoluer et si vous voulez, on va vraiment aller vers une évolution positive. Et vous avez eu cette discussion avec lui ? Il vous l'a dit qu'il allait se séparer définitivement. J'ai pas compris. Je disais, vous avez eu cette discussion avec lui, cette petite mise au point avec lui pour pouvoir dire qu'il allait se séparer. Oui, mais bon, c'est... Ça traîne, en fait. Moi, je vois, si je me concentre vraiment sur vous, de vous à moi, je vois l'été. Donc, c'est l'été. Vrai. Cet oui. été Oui, cet été. Il y a encore à patienter jusque-là. Mais d'ici là, vous allez voir un changement qui va s'opérer entre vous et lui. Et donc, il va arriver vraiment quelque part. Vous allez vous capter. Vous allez vraiment être dans une bonne énergie, tous les deux. Oui. Et vous verrez que pour l'été, de toute façon, il sera séparé définitivement. Et là, à ce moment-là, vous pourrez entamer votre nouvelle vie. Moi, en tout cas, j'ai de fortement des aspects positifs pour que ça se passe bien entre vous. Donc, soyez confiante, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Donc, il a des sentiments pour moi quand même. Il a beaucoup de sentiments pour vous. Même s'il n'est pas démonstratif, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas de sentiments. Parce que moi, je ressens vraiment qu'il y a des aspects positifs. Donc, soyez confiante à ce niveau-là. Voilà pour vous, ma chère Christine. Alors, merci. Avant de se quitter, je vais vous proposer de pouvoir gagner peut-être 10 minutes de consultation avec le voyant de votre choix si vous devinez la carte qui est devant moi, un chiffre entre 1 et 22. 3. Le 3 ? Je vérifie. On est très, 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 très proche. Mais ce n'est pas le 3, malheureusement. Je vous souhaite une prochaine fois. Belle soirée. Mais oui, vous pouvez retenter votre chance, il n'y a pas de souci. À bientôt, Christine. Merci, à bientôt. Au revoir et beaucoup de bonheur pour vous. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonsoir. Bonsoir Christine. Alors il est 22h50 très exactement sur Astro Center TV. Nous allons marquer la dernière pause de la soirée avant de se quitter puisqu'on est encore ensemble pour 10 minutes. N'hésitez pas, il n'y a personne dans la file d'attente. Pendant cette petite pause, vous appelez le 3255 touche étoile et pour les amis belges, le 0988 126, vous serez mis directement en relation avec moi après ceci. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Confidentiel, nous sommes de retour. C'est votre émission de voyance chaque soir sur Astro Center TV. Vous nous regardez sur votre téléviseur, mais également via l'internet sur le www.astrocenter.tv. Composez dès maintenant le 3255, c'est les dernières minutes de l'émission. Dans quelques instants, une surprise, je n'en dis pas plus. 3255, touche étoile pour arriver sur le plateau. Allô, allô ? Oui, bonsoir Nicolas. Bonsoir, quel est votre prénom ? C'est Sandrine. Sandrine. Et votre date de naissance ? C'est le 27 février 1974. Oui. Et que désirez-vous savoir ? Ma question, en fait, elle concerne ma maman. Qui s'appelle ? Gisèle. Gisèle. Et sa date de naissance ? Le 24 juillet 1935. 24 juillet 1935. Et que désirez-vous savoir ? Eh bien, je voudrais savoir si elle va bientôt déménager. Alors, Gisèle... Elle est un petit peu morose pour le moment. Oui, tout à fait. Elle n'a pas trop le moral, Gisèle. Non. Alors, je vais regarder. Écoutez, dans sa vie de femme, il y a quand même l'âme qui est là, une âme protectrice. Je vais retrouver mes mots. Voilà, donc moi, je dirais qu'effectivement, elle peut déménager. C'est son souhait de déménager. Alors, en fait, c'est un peu compliqué. Ça faisait 2 ans que je m'occupais d'elle, qu'elle était chez moi, puisqu'elle est âgée et qu'elle ne peut plus rester toute seule. Au mois de juillet l'année dernière, j'ai décidé de la placer dans, pas une maison de retraite, mais une résidence adaptée pour elle, avec un soin médicalisé, quoi. Oui. Et je vois qu'elle n'est pas très bien dans cet endroit et que surtout, elle ne bénéficie pas des services qu'on propose et que je paye très cher. Et bon, voilà, parce qu'elle est comme ça. Donc, je suis en train de me dire, ce serait peut-être mieux que je lui trouve finalement un appartement avec peut-être des gens à domicile qui viendraient pour le même prix, finalement, lui apporter les prestations dont vraiment elle a besoin et pas quelque chose de global qu'on propose là-bas et qui n'est pas si adapté que ça à elle, quoi. Oui, voilà. Moi, en tout cas, dans ce que je ressens, je vois qu'il y a vraiment quelque chose de positif par rapport au fait que, oui, qu'elle puisse déménager. Mais moi, je pense que les soins vont se faire à domicile. Voilà. Sincèrement. Ouais. Maintenant, je ne peux pas rentrer dans les détails médicaux. Oui, non, ça, bien sûr. C'est en règle générale. Hein, je parle vraiment en général. Il va y avoir des aspects positifs pour qu'elle déménage et pour qu'elle soit protégée là où elle est. Donc, ce sera un poids en moins pour vous, en tout cas. Voilà, et donc comme bien sûr elle ne peut pas faire toutes ces démarches toute seule, c'est moi qui les fais pour elle, donc la question est pour elle, mais en même temps c'est moi qui m'en occupe, donc là je suis en train activement de chercher quelque chose, moi, je me demandais si avant la fin de l'année et du mois j'arriverais à trouver rapidement quoi. Alors pour le mois de février, maximum. D'accord. Je dis bien maximum, vous aurez cette possibilité de trouver. Alors, on est un petit peu pris par le temps. Je vais vous demander un chiffre entre 1 et 22 et peut-être donc on pourra discuter 10 minutes gratuitement. Alors, je dirais le 16. Le 16. Ouh, non, on s'est éloigné là. C'est pas le 16. Bon. Alors, la carte qu'il fallait trouver, c'était le 2. On a dit le 1, on a dit le 3, mais on n'a pas dit le 2.
Mais vous pouvez retenter votre chance lors de notre deuxième émission, puisqu'à partir de minuit, on se retrouvera de nouveau. Voilà, je vous embrasse fort Sandrine et j'embrasse également votre maman. D'accord, à merci bientôt. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est l'heure de notre question répondeur et d'une petite surprise qui arrive dans un instant. Bonjour, je m'appelle Guy Florian. Je suis né le 1er janvier 1966 à Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, et je viens de Saint-Broilade, près du Mont-Saint-Michel. Ma question est du domaine financier. Pouvez-vous me dire si au niveau de la sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, ma situation financière va s'améliorer? Je suis actuellement en invalidité pour des problèmes de santé. Je perçois une petite pension d'invalidité. La sécurité sociale me doit du retard sur ma pension depuis quelques années et je ne perçois rien. Est-ce que cela va s'améliorer? Merci de me répondre clairement. J'attends de vos nouvelles. Au revoir et à bientôt et merci pour tout. Je vais simplement regarder si une rentrée d'argent va arriver. Alors, je vais voir ça tout de suite. Alors, d'après ce que moi je ressens, eh bien, je vois qu'il y a effectivement quelque chose en retard. Donc, il y a de l'argent qui arrive, de l'argent qui arrive pour vous. Et je vois donc il y a un monsieur qui va s'occuper de ces démarches-là. Donc, vous allez faire des démarches et c'est un homme qui va vous aider. Mais vous allez récupérer votre argent ou de l'argent en retard à peu près, je vais dire, vers le printemps parce que j'ai un chiffre 3. Donc, ne vous tracassez pas. Pour moi, ça va aller. Alors, cette fameuse surprise, alors, qui va arriver. Je vais demander à notre ami Vianney de me faire un plan sur les cartes. S'il le veut bien, voilà. Et je vais remercier une personne qui nous a en fait offert eh bien, un superbe montage de Noël qui est là. C'est notre amie Chantal, une fidèle téléspectatrice qui nous a donc offert ce petit montage. On la remercie beaucoup, c'est une téléspectatrice belge. Donc, qu'on embrasse fort et elle a envoyé ce montage pour l'équipe, pour les fêtes de Noël. Et donc, on la remercie bien fort et on va bien sûr mettre ce montage dans nos bureaux parce qu'il est magnifique. Merci à vous, ma chère Chantal. Voilà. Alors, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Alors, écoute, j'ai un petit souci d'oreillette. Je ne vous entends plus, mon cher Vianney. Il reste, voilà, quelques secondes pour l'émission. Donc, je remercie encore une fois toutes les personnes qui nous ont appelées. Je remercie encore une fois notre amie Chantal de Belgique, de Charleroi exactement, qui nous a donc fait l'honneur de nous envoyer donc ce petit montage superbe. Je vous donne rendez-vous d'ici une petite heure à minuit pour les couches tard et à demain pour les autres. Faites de doux rêves, gros bisous, au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel. We'll be right back.